Surf YouTube, casse un peu les habitudes pour ce tuto comment obtenir des figurines Bayonetta pour pas trop cher. Comme vous pouvez le voir là, hop, étiquette bleue dit colis du Japon. Et ouais, en important des amiibo du Japon, vous pouvez vous retrouver avec les deux figurines de Bayonetta. Hein. Pour pas trop cher, vous en avez pour moins de 35€. Mais comme vous pouvez le voir, c'est la même que la version européenne, c'est juste qu'au Japon. Bah, curieusement, elle est sortie en plus d'exemplaires, elle est un peu moins populaire peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, elle est trouvable vraiment de manière commune au Japon, cette figurine. Donc je vais vous mettre un petit lien pour vous aussi pouvoir l'importer tout simplement. Ouais, je précise, c'est pas du tout pour la collection. Donc du coup, hop, nous on peut se permettre de faire ça et de vous montrer un peu mieux cette figurine Bayonetta qui est juste, elle est magnifique. Hein. Au niveau des peintures, c'est assez impressionnant, je dois le dire. Au niveau de travail, ouais, même les finitions, c'est vraiment du bon taf. La position, j'en parle même pas, mais c'est vraiment une vraie mini figurine de Bayonetta. Ça fait plaisir à voir. Et de l'autre côté, on a la deuxième. La deuxième, qu'est-ce qu'elle va donner? À mon avis, elle va être pas mal non plus. Je pense que je vais préférer la deuxième parce que la première, c'est Bayonetta de Bayonetta 1. Alors que celle-là, c'est celle de Bayonetta 2. Si, peut-être un petit grief. Vous avez vu un peu ces supports. Ils sont dégueulasses. Mais par contre, hop, 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 hop. Voilà. Elle a son grain de beauté est vraiment pas mal. Hein. Franchement, pour des figurines minuscules comme ça. Vraiment une jolie figurine. Franchement, ces deux petites figurines là, je sens qu'elles vont faire des jaloux. Bon, sur ce, je vous dis à ciao les otaku. Et à bientôt sur otakugame.fr.